Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match compliqué contre Marseille à l'extérieur. Donc, un déplacement au Vélodrome qui s'annonce très chaud. En milieu de semaine, on a un match contre Bastia à domicile et un match contre Bordeaux à l'extérieur. En fin de semaine, une grosse semaine avec 3 matchs. Et sinon, on aura un match contre le Borussia Mönchengladbach en phase de poule de Ligue des Champions. Donc voici mon équipe de titulaires pour la saison. Après, je verrai si je fais des changements. Donc en attaque, Fekir Lacazette, milieu de terrain, Valbuena, Tolisso, Darder, Gonalon. En défense, Bedimo, Umtiti, Mbiwa, Raphaël et Lopez au but. Donc j'ai préféré Raphaël à Jallet pour l'instant, mais ça pourra changer. Et donc mon équipe 2 avec en attaque Gabriel Beauvu, Grenier Fofana, Ferry, Mvemba au milieu de terrain. Grimaldo qui est très très bon en défense avec Bizevac, Rose, Jallet et au but, Paul Nardi, notre jeune gardien qui est prêté par Monaco. On commence avec le match contre Marseille au stade Vélodrome. Une rencontre qui s'annonce très difficile pour nous. On voit qu'au classement, l'équipe qui gagne le match passe première du championnat. Du côté de Marseille, il faudra se méfier de Michy Batshuayi qui est le meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations. L'attaquant belge qui est très très bon depuis le début de saison. Il sera épaulé par Alessandrini et Cabella. De notre côté, Claudio Beauvu fait figure de patron avec 4 buts en championnat. Il est accompagné de Fekir en attaque, suivi de Valbuena en MOC, Grenier et Darder sont titulaires au milieu. C'est parti pour le match. Et le match qui commence à la 22e minute avec une récupération de Darder. La frappe de Fekir est arrêtée par Mandanda. Une touche pour nous à la demi-heure de jeu. Grenier a la balle sur le côté. Il la repasse à Bedimo qui centre. La tête de Claudio Beauvu est une nouvelle fois arrêtée par le portier. On voit qu'à la mi-temps, le match est très serré. Il n'y a eu que 2 frappes et elles sont pour nous. Mais au retour des vestiaires, les Marseillais qui vont se réveiller avec cette action et cette frappe de Batshuayi arrêtée par Lopez. Contre-attaque à la 66e minute, menée par Fekir. Beau dribble au milieu de terrain, il sert Claudio Beauvu qui trouve Darder sur le côté. On continue d'avancer avec cette élimination du défenseur. Il redonne la balle à Beauvu, cafouillage de la défense et l'erreur de Mandanda qui permet à Valbuena d'ouvrir le score contre son ancien club. Un but totalement gag avec cette erreur de Mandanda. Il a voulu faire une passe à son défenseur, on ne sait pas trop. Et donc, ça nous permet de mener 1-0. Il ne reste que 15 minutes de jeu et on continue d'attaquer. Fekir obtient la balle dans la surface. La frappe qui passe quelques centimètres à côté du poteau. Une belle action pour nous qui aurait pu payer et faire le break. Fin du match, victoire 1-0 contre Marseille. On voit qu'on a dominé le match. 4 tirs contre 1. Donc un match avec quelques occasions, pas énorme. Et on voit que Bedimo est nommé homme du match de notre côté. Sinon, Valbuena a marqué un but contre son ancien club. Victoire 1-0. Prochain match contre Bastia et on fait tourner l'équipe. On a mis notre équipe 2. On a juste fait un changement. On note le retour de Lacazette qui nous revient de blessure. Et donc il va jouer ce match contre Bastia aux côtés de Gabriel. C'est parti.
Fin du match, victoire compliquée 1-0 contre Bastia. Les Bastiais qui n'auront rien à regretter, ils sont venus et ils ont très très bien joué. Et c'était un match vraiment difficile, hein. On a mis longtemps avant d'ouvrir le score. Bizevac est nommé homme du match en défense avec une bonne note de 7,2. But de Fofana sur corner. Victoire 1-0. Match contre Bordeaux, on remet l'équipe une avec Lacazette qui va être aux côtés de Beauvue en attaque. Donc deux matchs d'affilée pour notre joueur. C'est parti. Fin du match, défaite 2-1 contre Bordeaux, une victoire méritée pour les Bordelais qui ont très très bien joué. Et on va partir tout de suite pour le dernier match de la vidéo contre le Borussia Mönchengladbach en Champions League. Donc un match de phase de groupe qu'il faut gagner après notre défaite dans le premier match contre la Gantoise. On se rappelle qu'on avait perdu 3-2 dans un match totalement immérité, on s'était fait voler, hein, on peut le dire. Et donc voilà notre composition d'équipe pour ce match avec en attaque Fekir Lacazette, Valbuena en MOC, milieu de terrain Tolisso, Grenier, Gonalon, en défense Grimaldo est titulaire, il m'a fait vraiment une très bonne prestation et je le trouve vraiment très très fort. Et du côté du Borussia Mönchengladbach, pas de monde star, hein, c'est des joueurs assez moyens et donc c'est une équipe largement prenable. Et ça commence bien pour nous dès la 5ème minute avec Lacazette qui se fait lancer sur le côté par Fekir, il crochette et réussit son centre pour Jallet qui tente une retournée acrobatique mais ça passe à côté. 18ème minute, récupération de Fekir qui la passe à Grenier. Et là, il ne se fait pas attendre. Hein. Il vient marquer pour l'ouverture du score à la 20ème minute. Un but très important de Clément Grenier. On voit ici, il s'arrête, contrôle et frappe. Et il nous permet donc de mener 1-0 dans ce match. Une autre occasion pour nous à la 33ème minute avec Nabil Fekir qui passe la balle à Lacazette. Il tente une frappe lointaine bien arrêtée par Sommer. Peu avant la mi-temps, le Borussia Mönchengladbach qui va avoir un pénalty sur une faute d'Umtiti totalement idiote.
Dremić se présente face à Lopez, il frappe, mais ça passe au-dessus de la barre. Le joueur qui rate la balle d'égalisation pour son équipe juste avant la mi-temps. 51e minute, Fekir passe la balle à Jallet sur le côté droit. On voit ici un beau relais entre les deux joueurs et Fekir qui tente une frappe lointaine qui est totalement ratée. Fekir qui est lancé cette fois-ci à la 59e minute de la surface. La grosse reprise bien arrêtée par le gardien et ensuite une frappe que le gardien dégage sans contrôle. Il reste 30 minutes de jeu et on continue à attaquer avec cette frappe de Lacazette qui passe au-dessus de la barre de quelques centimètres. On a failli marquer un très joli but avec notre attaquant. 65e minute, Darder à la balle. Il tente aussi une frappe lointaine et ça passe au-dessus de la lucarne cette fois-ci. Il venait d'entrer en jeu. 72e minute, Fekir fait un petit festival sur le côté droit. Il centre pour Sergi Darder. Il contrôle, élimine un joueur avec un crochet, rentre dans la surface et frappe. La balle file en lucarne et nous permet de faire le break. 2 buts à 0 à la 74e minute grâce à un but de Sergi Darder, le premier sous ses nouvelles couleurs lyonnaises. Un but très important qui nous permet d'être à l'abri pour la fin du match. Victoire 2 buts à 0. Match totalement dominé, ils n'ont eu qu'une occasion sur pénalty, une frappe non cadrée, heureusement. 10 tirs, 6 cadrés pour nous. Très bon match de nos joueurs. L'homme du match est Clément Grenier et il est sorti, c'est lui qui avait ouvert le score. But donc de Grenier et de Sergi Darder qui est entré en jeu. Deux passes décisives pour Nabil Fekir qui a été très très bon et il a une note de 7,8. Victoire 2 buts à 0 contre le Borussia Mönchengladbach. Dans cette vidéo, on aura donc gagné 3 matchs et fait une défaite. Victoire 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Défaite 2 buts 1 contre Bordeaux. Victoire 1-0 contre Bastia. Et victoire 1-0 dans un match contre Marseille. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Reims. Ensuite, il y aura une trêve internationale. Donc on aura 2 semaines de repos. Un match contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc un gros match qui nous attend. Un match contre Toulouse. Et peut-être un match de Coupe de la Ligue contre l'Orient. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires pour la suite de la carrière. J'espère que celle-ci vous aura plu. Salut !